Bonjour à tous et bienvenue sur Info News. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mathieu Delormeau, placé en garde à vue, une transaction avec un autre homme à l'origine de sa arrestation. Coup dur pour Mathieu Delormeau, l'ancien chroniqueur s'est retrouvé en bien mauvaise posture dans la journée du 1er juillet. Aux alentours de midi, il a été pris en flagrant délit d'achat de drogue juste devant chez lui, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, situé dans le chic 6e arrondissement de Paris. Dans la foulée, Mathieu Delormeau a été placé en garde à vue et a été entendu par le 3e district de police judiciaire durant l'après-midi. Il a ensuite écopé par le parquet de Paris d'une convocation en injonction thérapeutique pour usage de stupéfiants. C'est d'abord son dealer, un quinquagénaire, pas vraiment connu des services de police, qui s'est fait interpeller avec une quinzaine de grammes de cocaïne sur lui. Et une dizaine de minutes plus tard, les brigadiers retrouvent son célèbre client, Mathieu Delormeau. Donc, aucun des deux ne s'est opposé à l'arrestation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et abonnez-vous pour rester informé des prochaines actualités. À bientôt sur Info News.